Donc en pleine préparation de la sous-la-ditro. En pleine préparation. Monsieur okay. Tamé, voulez-vous donc nous dire là, tout ça, en pleine préparation. Donc, on va jeter des assiettes ici. Hein. Donc plein de parguilles, tout ça. C'est des enfants. Donc on s'en va pas les pieds. Gérard, ça va. Vous êtes Gérard, ça va. Ça va, vous amène des assiettes bleues. Bien fait. On va y aller deux ou trois. Il faut les emmener parce qu'on vient en descend. On n'a pas mis. Sinon, on peut mettre des blancs. On a des petits blancs. Voilà, les assiettes qui sont là. Voilà, ici, c'est bon. Il y a ce qu'il faut. Parce qu'il faut ajouter chez les enfants, dans chaque table, il faut ajouter une assiette. Voilà, après ça. On va ajouter une assiette ici. Dans chaque table, on va ajouter une assiette. Merci, on t'écoute. Alors, nous sommes en train de préparer la suite de Titros. Ce sera une belle fête. Ils sont là. Ramula. Je confirme la bonne nourriture. On se revoit. D'ailleurs, on se voit après la pub. Donc, encore une fois, en pleine préparation. Vous pouvez voir le rabbin. Qui il met plein de ventre en effet. Donc voilà, je suis là. Bonjour. Voilà. Je suis gentil, non hein. Amène 4 chaises de la base, c'est toi. Oui, s'il vous plaît, alors. Mission pour Ethan, arrivera-t-il à la faire? Oui, c'est un monstre. Vous pouvez le voir. Il est chaud, c'est ça. La base dans chaque table, il y aura une chaise. Un mouchki en action aussi. Il sent les muscles. Il sent les muscles. Enfin, malgré. J'aime bien aussi nous sert beaucoup. Ainsi que monsieur Simon Mazouz. Un nouvel invité. Vous avez un nouvel invité. Cette mission s'est passée au mieux. Non, vous savez, me voilà. Un petit mot pour le Reder. Un petit mot, une bonne Sauda. On vous attend, comment, quel est le discours que vous allez faire chacun? Attendez, voilà. Soyez une assiette. En pleine démonstration.
Donc c'est au date titre 5777. Ici on a d'abord donc la classe des 6e. C'est bon les enfants? Oui. Parfait. Ensuite on passe à la classe des 5e à côté. C'est bon les enfants, c'est bien? Baruch Hashem. Après il y a la classe des 4e et 3e mélangés. C'est parfait? Baruch Hashem. Et enfin 3e seconde aussi, c'est bon? Alors mangez bien, comme ça vous allez bien dire des Torah tout à l'heure, Bezrat Hashem. Hazak kol hakavod les enfants. Bravo. Plus fort? Dans les 10 commandements, le premier commandement c'est Anorki Hashem Elokecha Sharot Tetzicha Merat Mitzrayim. Alors on pose la question, pourquoi dans les 10 commandements il dit qu'il peut faire sortir d'Égypte et on ne dit pas que Hashem qui a créé le monde? Très bien. On répond qu'en fait, dans les 10 commandements c'est tout ce que l'homme doit faire envers Hashem. Et donc, comme si on avait dit de créer le monde, ça aurait été tout ce qui est naturel, tout ce qui est naturel, que Hachem l'a créé, c'est naturel. Et donc, l'homme, il aurait dû faire les commandements naturellement. Tout ce qui était facile, il aurait fait. Mais tout ce qui était dur et ce qui n'était pas naturel pour lui, il aurait pas fait. C'est pour ça qu'on a dit à l'occasion de parce que la fait quand il a fait partie d'Égypte, c'était pas naturel, c'était avec des miracles et des grands signes. Et c'est pour ça que nous aussi on doit faire toutes les méthodes qui sont utilisées et pas de faire. Hazak, monsieur. Silence. Répète. Je m'appelle Tamiton, je suis en 3e. Donc, on pose une question, on demande. Donc, on sait déjà que Moshe il avait deux enfants, Gershom et Eliezer. Donc, on pose une question, on demande pourquoi Moshe il a appelé d'abord son fils Gershom en premier, après Eliezer. Pourtant, on sait que d'abord Hachem il l'a sauvé de la main de Pharaon, et après il était étranger. Donc, on répond, on dit parce que quand avant qu'il ait Gershom, Moshe il avait pas encore la Shrina, donc il a appelé son fils Gershom parce qu'il savait pas encore qu'Hachem il avait bien aidé. Et une fois qu'il a eu Gershom, là Hachem il a mis en tête qu'il a eu la Shrina. Et quand il a eu la Shrina, il s'est rendu compte que Hachem il avait sauvé de la main de Pharaon. Donc c'est pour ça qu'il a appelé son fils Eliezer. Hazak. Shoshane, vas-y. On n'entend rien. Bonjour, je m'appelle Sean Perret, je suis en classe de 4e. Et alors, on voit dans la paracha d'Istro que Moshe il était monté au ciel pour prendre la Torah. Et les malachim se battaient, ils disaient non, tu prends pas la Torah. Et alors, il y a un midrash qui raconte que Hachem il a fait changer d'apparence, Moshe. Et il a changé d'apparence, c'était l'apparence d'Abraham. Et après il a demandé la Torah et les malachim ont toujours dit non, on ne donne pas la Torah. Alors Hachem il a dit aux malachim, vous ne rendez pas compte ce que vous faites, c'est Abraham Avinu, il vous a fait manger chez lui. Les malachim nous ont répondu, ça va, c'est que du manger, hein, ça coûte 100 euros, 3 repas. Alors que la Torah, ça vaut pas ce prix. Alors on raconte une histoire, c'était l'histoire d'un roi qui avait qu'un seul fils. Et ce fils-là, le roi il laissait tout faire, sauf un seul truc, c'est que dès qu'il parlait avec le ministre de la Défense, et ben il lui disait va dehors et il rentrait pas dans la salle. Alors le fils il était un petit peu déprimé et alors le ministre de la Défense il se jouait un petit peu de ça. Donc il criait de partout comme un man, il était content, j'ai plus de cavotte que le fils du roi et tout. Et quelques semaines après, le fils il était gravement malade. Alors le roi, il a amené les meilleurs médecins, et ils ont vu, il leur a dit, notre fils il a rien, il est juste déprimé. Alors le roi il a réfléchi, il a dit, dans 3 jours de toute façon c'est son anniversaire, donc je vais faire un anniversaire de malade. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déguiser tous les ministres avec des déguisements. Et
et le ministre de la Défense, qui est Tichachuka avec lui, il va le déguiser en éléphant. Et ils vont danser de partout comme des malades à côté de mon fils. Alors le jour de l'anniversaire, ils font tout ça. Ils commencent tous à danser comme des malades à côté de son fils. Et le roi, il arrive, il montre à son fils, tu vois, lui, c'est ce ministre. Lui, c'est un ministre. Et lui, un éléphant, c'est le ministre de la Défense. Alors, le fils, il se sentait beaucoup mieux. Et le roi, il lui a expliqué que c'est parce qu'il avait peur pour lui, pour sa sécurité, que juste pour ça, il devait parler au ministre de la Défense. Alors maintenant, on revient à quand Melachim ne voulait pas donner la Torah à Moshe, qui était en apparence d'Abraham Avinu. Et alors, il dit aux Melachim, vous les Melachim, quand vous étiez partis chez Abraham Avinu, vous êtes déguisé, vous avez changé votre nature pour aller chez Abraham Avinu et lui faire plaisir. Alors, vous avez du respect. Comment vers Moshe Rabbeinu. Je m'appelle Eliel Barthou, je suis en classe de 4e. Alors, on voit au début de la paracha, c'est marqué Vaishma Yitro, qu'il a entendu Yitro que les miracles sur la guerre d'Amalek et sur Kriyat Shem Souf. Et il est parti se convertir vers le judaïsme. Mais pourtant, tous les miracles qu'il y a eu en Égypte, toutes les plaies, ce n'est pas des miracles qui assez suffisants pour qu'il se convertisse. Alors, en fait, on répond, c'est que quand Moshe il s'est enfui de Mitzrayim pour aller à Midian chez Yitro, Yitro lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu t'es enfui d'Égypte. Et il lui a dit parce que j'ai tué un Égyptien. Alors Yitro il a eu peur parce que lui aussi, comme avant c'était un conseiller de Paro, il a dit moi aussi j'ai dû m'enfuir d'Égypte parce que j'avais dit à Paro de ne pas persécuter le peuple d'Israël et ça ne lui a pas du tout plu, il a voulu me tuer. Et donc Yitro, qu'est-ce qu'il a fait à Moshe? Il a mis dans une grotte, et il a mis dans un puits pendant 10 ans. Et sa fille Tipora venait tous les matins, elle lui amenait, enfin tous les jours, elle lui amenait de la nourriture. Et Yitro, lui, comme c'était un sorcier, mais il puisait sa force d'un petit arbre qui était devant chez lui. Et un jour, ce petit arbre, il commençait à grandir énormément. Alors qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé d'aller chercher un jardinier pour couper l'arbre. Et dès que le jardinier a commencé à le couper, il est mort. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il en a appelé un deuxième, et le deuxième aussi, dès qu'il a commencé à couper, il est mort. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Il a fait une annonce, il a dit tout celui qui peut couper mon arbre sans mourir, je lui donne en mariage ma fille. Alors Tzipora, quand elle est partie à manger à Moshe le lendemain, elle lui a dit l'annonce qu'il avait fait son père. Et donc elle a dit l'annonce qu'il avait fait son père. Et il a dit ben, moi je peux aller le couper. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du puits, il a coupé l'arbre sans mourir. Et il s'est marié avec Tzipora. Et de cet arbre, il a taillé son bâton. Alors, et quand il était en Égypte, tout ce qui s'est passé, tous les miracles qu'il a fait, c'était son bâton. Alors Yitro lui a dit, qu'il fait des miracles. Il a dit, c'est normal qu'il fait des miracles parce que c'est avec mon bâton. Alors, jusque-là, il croyait que c'était avec sa force à lui, parce que c'était de son arbre qu'il a raccroché là à faire tous les miracles. Et quand il est arrivé dans Kriyat Yam Suf, où il a étendu sa main pour ouvrir l'eau, là, Yitro, il a vu que c'était pas avec son bâton, mais c'était avec la main. Alors, il a dit, un miracle que lui, il a pu faire, c'est normal qu'il puisse... on va dire, ça passe qu'il puisse faire un miracle. Et que quand il a gagné la guerre contre les Amalekites, les Bénisraëls ont gagné la guerre contre Amalek, c'est qu'à chaque fois que Moshe il levait ses mains, il gagnait, quand il est baissé, il perdait. Et du coup c'était par ses mains qu'il faisait le miracle. Et quand Yitro il a vu que c'était avec les mains, du coup il a dit c'est plus avec le bâton. Alors c'est pour ça qu'il s'est converti. Hazal. Attends, recommence. Bonjour, je m'appelle Youssef Foyon, j'ai en classe de 6e. Chut,
Alors, Moshe avait deux enfants, Gershon et Eliezer. La Torah dit, et le nom de l'un était Eliezer. On pose la question, pourquoi on a dit que pas le deuxième à la place de l'un? Réponse, car la naissance de Eliezer était bien plus tard, et ils ne sont pas nés ensemble. Hazal Kouvaro. Yona Moshe. On écoute Yona Moshe, messieurs. Yona Moshe Hayuma, donc c'est sixième. S'il vous plaît, messieurs, on écoute. Pour le premier pasouk de la paracha, il y a écrit que Yitro, il a entendu tout ce que Hachem a fait pour le Ham Israël. Alors on pose une question, pourquoi Rachid écrit qu'il a entendu seulement Kriyat Yam Souf? On répond parce que Yitro a compris que Hachem juge l'homme selon la pensée. Lorsque Hachem a voulu ouvrir la mer, les anges ont refusé. À cela, il dit, cela, ils font les Avodah Zarah. Et ils font la Avodah Zarah en parlant des Égyptiens, et eux, ils font la Avodah Zarah en parlant de l'âme Israël. Hachem, il répond au Malachim, cela, les Égyptiens, avec volonté, les ratons, et cela, l'âme Israël, malgré eux, et finalement, Hachem ouvra la mer. On déduit de là que Hachem il juge l'homme selon la marche à la pensée. Mais on sait très bien qu'Yitro, bien qu'il a été Kohen Midian, dans sa pensée, il recherchait Hachem, car lorsque Paro a demandé conseil à Yitro, comment faire avec le Ham Israël, Yitro s'est enfui donc on déduit qu'il a été pas d'accord avec Paro de tuer le Ham Israël, donc sa pensée, il voulait toujours servir Hachem. Conclusion, lorsque Yitro a entendu le troisième sauf, il a compris que Hachem juge l'homme selon la pensée et il est venu se convertir au juge de Yadout. Hazard, deux secondes, vas-y. Bonjour, on m'appelle Ethan Tchoukoun, je suis en cinquième. Tu es fort, j'entends rien. Ethan Tchoukoun, je suis en cinquième. Oui. Et dans la paracha de Yitro, on va voir les 10 commandements. Le premier commandement, c'est « Je sais, j'aime ton Dieu ». Sur ce commandement, il faut reconnaître qu'il y a un créateur. On va voir une histoire sur ça. Le Rachar, il était entouré de ses élèves et il dit qu'un grand professeur lui avait donné une réponse sur laquelle le Rabbam, elle était depuis 6 ans. Alors la question c'était quoi? C'était que comment on peut donner une mitzvah, une obligation de reconnaître qu'il y a un créateur? Parce que tout homme intelligent il doit douter qu'il y a un créateur à tout ça. Et tout un moins intelligent, il est dispensé parce qu'il ne peut pas comprendre et voilà. Et donc, il était une fois allé rendre visite à un ami. À l'hôpital, il a discuté avec le professeur. Il lui fait « Professeur, comme je vous envie ». Le professeur, il se demandait de quoi. Il lui fait « Vous, à chaque instant, vous reconnaissez quel créateur il y a et tout, qui a créé tout ça, qui a créé le cœur et tout, par exemple. » Il lui fait « Mais le cœur, c'est qu'une pompe perfectionnée. » Il lui fait « Non, regardez tout ce qu'il y a, comment ça marche, le sang et tout. » Non, mais le cœur, c'est une pompe perfectionnée. Je vois pas ce que vous voulez dire, mais ces ouvertures, ces rebouchures, cette fonction de mettre le sang, c'est finalement une pompe perfectionnée. C'est là qu'on a compris que même ce monsieur qui avait passé des années à étudier le corps, il n'arrivait même pas à reconnaître que le cœur et tout, c'était incroyable comment il fonctionnait. Alors nous, on passe pas tout le temps à voir le corps fonctionner. On devrait évidemment avoir une mitzvah de reconnaître le créateur de ça. Tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle David Cabron, je suis en classe de 5e. Alors, dans la paracha Yitro, il y a le pasouk Perekut tête, pasouk Gimel, et il y a écrit « Ou Moshe, Allah, Ela Elohim ». Alors, Moshe, il est monté vers Hachem. « Vaikra Elav », et il a appelé Hachem. Il a appelé Hachem, « Minar de la montagne, il est mort en 10 ans. « Kotomar », et Hachem lui a dit « Kotomar, l'évêque Yaakov ». Ainsi, tu feras pour la maison Yaakov, ça représente l'Israël. « Vetagel, l'Ivné Israël », et tu raconteras devant l'Ivné Israël. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a eu besoin déjà de marquer les Beth Yaakov? Les Beth Yaakov, ça veut dire déjà les Bnei Israël. Et on a besoin de marquer une deuxième fois les Bnei Israël. On sait que les Bnei Israël, déjà, c'est la maison de Yaakov. Et pourquoi on a marqué Vetaged les Bnei Israël, alors qu'il y a déjà marqué Kotomar les Beth Yaakov? Alors Rashi dit, les Beth Yaakov, Elou Anashim, Tomar Laem, Belashon Racha. En fait, ça veut dire que les Beth Yaakov, c'était un langage en fait. Dans ce langage-là, on parlait parce que c'était pour les femmes. C'était un langage doux. C'était parce que les femmes, elles ont besoin de faut ça, c'est pour dire que ça représente les femmes à la Torah. Parce qu'en exemple, nous, quand on a besoin d'expliquer la Torah, il faut s'adapter à l'autre. Par exemple, si l'autre comprend de cette façon, il faut lui expliquer de cette façon-là. Et ainsi de suite. Vetagel, Ibn Israël. Et Vetagel, Ibn Israël, tu raconteras Ibn Israël. Onshim, Vedikdukim, Pelazrachim, Devarim, Akashim, Kagidim. Alors en fait, ça, c'est pour nous dire que, faut, par exemple, quand on explique aussi, il faut s'adapter, non, il faut ressentir ce qu'on explique. Par exemple, là, quand on explique la Torah, il faut aussi ressentir. Et comme les femmes, elles ressentent quand la Torah, il faut être comme les femmes, qu'elles ressentent, et nous, il faut être, quand on étudie la Torah, il faut ressentir ce qu'on dit. S'il te plaît, comme d'habitude. Je m'appelle Ron Chetrit, je suis en seconde. Eh oh, j'entends rien, moi. Je m'appelle Ron Chetrit, je suis en seconde. Dans le parasha, il est trop dans le périgraphe. La soupe bête. Il a écrit un passage qui dit: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du lieu de l'esclavage. Alors, on dit, tant que les enfants d'Israël se trouvaient en Égypte, ils savaient qu'ils servaient Dieu par crainte. Mais dès qu'ils sont sortis d'Égypte, ils servaient Dieu par amour, parce que quand il leur a fait les djibles et tout ça, il leur a ouvert la mer. Tellement ils aimaient Dieu, maintenant ils le servaient par amour. Et donc ça, on nous dit que l'homme sert Dieu par crainte, il est comparable à un esclave qui craint son maître, mais celui qui le sert par amour, il est appelé fils, un enfant qui aime son père. Donc c'est pour ça que lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte, les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils sont aussi sortis de la catégorie d'esclaves, mais ils sont devenus le fils d'Hachem. Hazak! Présente s'il te plaît avant. Je m'appelle Nathan Atchel, je suis en 5e. Un passage dans la parasha, Yitro nous dit: qui va d'avoir à Chazadou Aléem? On n'entend pas là-bas. Par les mesures que les Égyptiens pensaient faire, subir aux Hébreux, ils furent eux-mêmes sanctionnés. C'est dans ces termes que Yitro s'est exclamé, après que Moshe lui a raconté tous les miracles et les prodiges que l'Éternel avait fait pour eux pour cette libération. Notre grand maître Rav Eliyahu Lopian Zazal commente: lorsque les enfants d'Israël ont vécu et vu les différents plaies, ils parvenaient à comprendre pour certains d'entre eux la signification et le lien avec ce que les Égyptiens leur faisaient subir. Par exemple, les bêtes sauvages, car ils obligeaient l'homme d'Israël de chasser les lions, puis se faisaient manger. D'autant que plusieurs autres décisions de travaux durs ou de tortures ont été prises par le roi Paro, mais qui n'ont pas été faites. Or, nous savons que l'Éternel, pour les non-juifs, considère l'intention comme action, et donc cela mérite une torsion. Mais lorsque Yitro est arrivé et que Moshe lui a tout raconté, il a tout compris car il participait au conseil des ministres du roi Paro. C'est pour cela que Yitro s'est exclamé: tous les projets que les Égyptiens voulaient concrétiser sur les Hébreux se sont retournés contre eux et ils furent sanctionnés pour cela. Hazard. Présente-toi. David, silence. Pavot. Je m'appelle Macha, je suis en classe de 5e. Ah, c'est une histoire sur le Rav Shimon Agassi. Et Rav Shimon Agassi, il était très humble. C'était un élève du Ben Israël. Un jour de pluie, Rav Shimon vit un de ses élèves, Rav Eliyahu, marcher dans la rue avec en main un parapluie. Il lui dit: que tenez-vous en main? Et l'élève, persuadé que son rêve ne désignait pas son parapluie, il ne répond rien. Mais votre parapluie, qu'en est-il? Il insiste, Rav Shimon. Le parapluie, mais c'est pour me protéger et ne pas mouiller mes vêtements, répondit l'élève sans comprendre. Et Rav Shimon, il a dit à son élève que vous ne craignez pas que ça vous gonfle d'orgueil. Hazak ou Maro? Je te présente comme... Allez, Noam.
Bonjour, je suis en classe de 3e, je m'appelle Mokwen. Alors nous voyons qu'il y a 4 personnes qui ont rajouté et changé de lettres. Il y a Abraham, avant il s'appelait Abraham, on a rajouté He. Il y a Sarah, avant il s'appelait Sarah, on a échangé avec un He. Yitro, avant il s'appelait Yeter, on lui a rajouté un Vav. Et Yehoshua, avant il s'appelait Ochea, on lui a rajouté un Yud. On voit que ça fait Yud-Kevavke. Il y a une raison à ça, Abraham et Sarah, ils ont converti les gens de Haran. Yitro s'est converti, Yehoshua a converti des gens de Givon. On voit que quand ces 4 ont converti des gens, donc ils ont obtenu le mérite d'avoir une lettre de nom de Dieu. Hazak! Je m'appelle Raphaël Rosilio et je suis en classe de 6e. Alors dans la paracha de Yitro, on voit que Hachem, quand il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, il les a fait sortir, après il a fait... Après, il y a eu Kriyat Souf, il y a eu plein d'autres faits. Et après, il a donné Matan Torah. On se pose une question. Pourquoi il a donné Matan Torah? Pourquoi il aurait pu donner Matan Torah dès la Yetzian Mitzrayim? On répond par une parabole. Alors, c'est un prince, et c'est un père qui avait un fils malade. Et il pouvait pas y aller à l'école. Alors... un jour, le fils il s'est mis debout, il a pu marcher un peu. Alors le téléphone il a sonné, le père il l'a décroché et c'était le directeur d'école. Il a dit votre fils il est plus malade donc vous pouvez l'emmener à l'école. Alors il a dit mais il est fatigué, il doit un peu se reposer, il doit reprendre des forces avant d'aller. C'est la même chose. Hachem il a voulu il veut qu'on enlève notre fatigue de l'esclavage et on rapporte une autre parabole qui veut dire un autre sens. C'est un prince qui cherchait une princesse pour se marier et dès qu'il avait une princesse, il voulait être sûr que cette princesse elle allait vouloir se marier avec lui. Alors il lui a donné plusieurs cadeaux. Et quand la princesse elle est allée à la boulangerie, il y avait déjà un gâteau préparé pour elle. Quand elle a voulu aller au magasin, il y avait des vêtements avec des vêtements prêts. Et quand elle voulait aller au restaurant, il y avait une noix farcie, des repas coûteux. Et quand elle voulait aller acheter du vin, il y avait du bon vin. Et c'est la même chose avec Hachem. Hachem, il voulait d'abord nous faire la caille, la manne, le puits et Kriyat Shem Souf pour après qu'on a envie de recevoir la Torah. Zach. Comme d'habitude, on se tait à côté. Bonjour, je m'appelle Yael, je suis en classe de 5e. Il est marqué dans le passé Cubain de la Paracha, Shemro Lachen, la Halal Bar, Ungoa Begatsemu. Gardez-vous de monter sur la montagne ou de toucher son extrémité. Alors on dit, si Hachem déjà il a apporté de l'importance à ce qu'on ne touche même pas la montagne, mais qui n'a même pas de sentiments. Alors à plus forte raison, les Sadjikim, on va devoir les respecter et faire attention à leurs sentiments. Alors on répond, on dit pour un peu développer ce sujet, on rapporte des paroles de Pirkei Avot qui disent réchauffe-toi feu les Tzadikim, mais prends garde à ne pas te brûler à leur braise, car leur morsure est comme celle d'un renard et leur piqûre est comme celle d'un scorpion. On dit pourquoi on compare les Tzadikim à des braises. On répond parce que parfois il y a des cendres qui se mélangent aux braises. On croit qu'ils sont éteints et s'il y a quelqu'un qui les touche, ils se brûlent violemment. Alors on raconte une histoire, il y avait le Ritbaz, il était dans une ville et il a fait des reproches au notaire de la communauté de ne pas assez aider les pauvres, alors qu'ils en avaient largement les moyens. Et le notaire de la communauté, il faisait partie des riches, il a mal prié, donc il a commencé à offenser, à humilier le Ritbaz devant tout le monde. Le bédou de la communauté, lui, il voulait pas être renvoyé de son poste. Alors, il prenait parti du président. Et un jour, à la troisième montée, c'était l'habitude de faire monter le rab de la communauté.
Et il a voulu l'humilier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'appeler la communauté, il a appelé le président. Alors, la même année, un an plus tard, le même Shabbat, à la troisième montée, le vélo il est tombé dans un trou qui se trouvait en dessous de la Teva et qu'on avait oublié de refermer en Shabbat. Le Maguide de Douvna il rapporte aussi une autre anecdote, une allégorie. Il dit qu'il y avait un aveugle qui partait de pays en pays. Un jour, il est arrivé dans une frontière et il a montré son laissez-passer. Lui, l'aveugle, il louait les services d'un jeune homme pour l'aider à ne pas trébucher. Et les gardes frontières, ils lui ont permis de passer à lui, mais ils lui ont pas permis de passer à la personne qui était à côté de lui. Alors l'aveugle leur a dit, mais regardez, il y a marqué dans mon laissez-passer que je suis aveugle. Donc c'est évident, tout le monde sait qu'un aveugle, il a besoin de quelqu'un pour qu'il passe. Alors on dit, c'est la même chose avec la Torah écrite et la Torah orale. Les Rahamim, eux, sans eux, la Torah, on ne comprendrait même pas la Torah écrite. Parce que sans la Torah orale, on ne peut pas comprendre la Torah écrite. C'est les Rahamim, c'est eux qui gardent la Torah, même qu'on arrive à faire partie de... Hazard. Attends. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Shlomo Patan, je suis en classe de 6e. Après avoir appris la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël et la guerre avec Amalek, Yitro, le beau-père de Moshe, décida de se joindre au peuple d'Israël. Il bénit Hachem pour tous ses miracles comme il est marqué dans le passouk « Vayomer Yitro » Baruch Hashem, Asher Atzil, et Rémiad d'Israël. La Gemara dans Sanhedrin, Dav Tzad Amud Alef, dit que ce n'est pas bien que Moshe et les 600 000 âmes du peuple d'Israël n'ont pas exprimé leur reconnaissance envers Hashem en disant Baruch Hashem, jusqu'à que Yitro l'a exprimé dans sa Beracha. Pourtant, les Bnei Israël ont récité la Shira pendant la traversée de la mer Rouge, qui est remplie de louanges à Hachem. Et nous la récitons tous les jours dans la Tefila. Mais en réalité, il est évident que les Bnei Israël, en remerciant Hachem pour tout ce qui leur est arrivé, mais Yitro a béni Hachem, même si cela ne le concernait pas. Il est plus facile de bénir et remercier Hachem lorsque cela nous concerne. Mais en ce qui concerne autrui, ce n'est pas évident. Voilà la qualité d'Yitro dont la Gemara parle. Hazard. Chut, on y va. Bonjour, je m'appelle Yekoutia, je suis en 6e. Dans la paracha Yitro, il y a marqué « Et les Israël, il ne campe pas, il y a marqué. » Face de la montagne. Oui, face de la montagne. Pourquoi il y a... Je vais vous raconter une parabole pour vous montrer à quoi sert d'être uni. Très bien. Alors, il y avait une fois une personne noble, une personne très riche, qui avait de très beaux chevaux et du bétail. Et un jour, il allait entreprendre un voyage. Et il a pris quatre très beaux chevaux. Un qui venait d'Égypte, il était marron. L'autre qui venait d'Australie, il était noir. Un autre de New York, qui était blanc. Et un quatrième. Alors il est parti en route et pour entreprendre son voyage, quand il devait passer par une forêt. Et il est passé, quand il est passé, il y a eu un marécage. Et il est tombé, son carrosse, il est tombé dans le marécage. Et il s'est enfoncé. Alors le cocher, il a essayé, il a d'abord demandé à tous ceux qui étaient dedans de descendre pour aller jouer à la calèche. Il a essayé plein d'autres méthodes, mais il n'a pas réussi. Alors il a été obligé de fouetter les chevaux. Et il les a fouettés. Et il fouettait un, il sautait et il retombait. Il a attendu. Et d'un coup, ils ont vu un paysan qui passait avec une charrette.
avec une charrette. Et il avait que deux chevaux tout maigres, ils n'avaient pas l'air très forts. Et le paysan, il est arrivé. Quand il est tombé lui aussi dans le marécage, il a essayé de vider, de la léger. Il n'a pas réussi, alors... Chez les enfants. Alors il a fouetté un cheval, et les deux, ils ont sauté, et il a réussi à sortir. Alors la personne riche, il était étonné que comment il a fait avec deux maigres chevaux à sortir, alors que lui, il avait quatre bons chevaux, il n'a pas réussi. Alors, il lui a dit, est-ce que tu peux prendre tes deux chevaux, les mettre sur mon carrosse et me la faire sortir. Alors, il les a mis sur la calèche de la personne noble, il l'a fouetté et les deux, ils sont sortis. Alors, après, il lui a dit, comment tu as fait pour faire sortir ta calèche, alors que... T'as que deux maigres chevaux. Il lui a répondu, moi les miens, depuis qu'ils sont jeunes, ils ont été ensemble. C'est des frères et ils ont la même, ils ont de l'amour l'un envers l'autre. Et quand j'en tape un, le deuxième, il est sensible au coup de l'autre. Alors que toi, quand tu en tapes un, les trois autres, ils s'en foutent. Lui, il saute et les autres, ils attendent. C'est pour ça que tu n'as pas réussi. Alors c'est pareil aussi. Nous aussi on doit être unis pour sortir de la galoute comme dans le marécage. On doit être unis pour sortir de la galoute. Zach. Bonjour, je m'appelle Nicolas Blatt, je suis en classe de 5e. Alors je vais faire un discours sur le passouk, vos frères Moshe, Sarai Akim, Sarai Meot, Sarai Hamishim et Sarai Asarot. Moshe désigna des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Alors l'idée de Yitro, c'était de placer le peuple sous l'autorité de juges qui n'auraient pas la stature de Moshe. Et cependant, Dieu approuva ce système, car de cette façon, même les personnes les plus ordinaires seraient en mesure de résoudre le problème dans le cadre du système judiciaire de la Torah, se soumettant ainsi à son autorité. Si Moshe était resté le seul juge du peuple, certains auraient été trop intimidés par son impressionnante présence et sa grande stature spirituelle pour oser venir soumettre leurs problèmes. Cela les aurait conduits à se sentir exclus des préoccupations de la Torah. Cela aurait été éminemment regrettable car la Torah a été donnée à tous, y compris aux personnes peu éduquées et très ordinaires. Il est à l'honneur de la Torah et cela atteste de sa justesse que ces lois régissent non seulement nos moments les plus sublimes, mais aussi les préoccupations apparemment anodines qui surgissent dans nos affaires quotidiennes. Le plus fort, Ariel Moshe. De suite. Je m'appelle Ariel Moshe, je suis en 5e. Alors, Yitro, qui était prêtre de Midian... Plus fort, j'entends rien. Yitro, qui était prêtre de Midian et beau-père de Moshe, entendu tout ce que Hachem avait réalisé pour Moshe et pour Israël, son peuple, en faisant sortir Israël d'Égypte. Rachid pose une question, qu'a-t-il entendu? Le passage de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Les élèves du Gaon, Rabbi Shmuel, Yitzhak, Shur, Zatzal, demandèrent un jour à leur maître, puisque nos maîtres enseignent, Pirkei Avot, chapitre 6, Mishnah 2, que chaque jour une voix céleste retentit depuis le mont Horeb et déclare malheur aux créatures à cause de l'humiliation de la Torah, pourquoi ne l'entendons pas? Le Rav répondit à ses élèves, il est écrit, ils trop entendu, pourtant, était-il le seul à entendre? Toutes les autres nations n'ont-elles pas entendu, elles aussi, comme on atteste le texte de la Shira, les nations ont entendu et ont été prises de panique. En réalité, leur explique le Rav, la voix dépend de l'auditeur. Tout le monde entend et même de nombreuses choses, mais toutes les oreilles ne sont pas les mêmes et tous les cœurs ne valent pas. Chez certaines personnes, la voix pénètre l'oreille et fait résonner les cordes de leur cœur comme un violon. Chez d'autres personnes, la voix va seulement frapper le tambour de l'oreille sans parvenir jusqu'à leur cœur. La Torah atteste qu'il trop entendu, et parce qu'il voulut entendre, il comprit ce qu'il entendit, et c'est par ce mérite qu'il vint s'apprêter
s'abriter sous les ailes de la Shrina en se parachissant. De plus, il eut le mérite qu'une importante paracha, la paracha de la nomination du premier Sanhedrin, porte son nom, la paracha de Yitro. Je m'appelle Youssef Lévy, je suis en classe de 3e. C'est juste une petite histoire que j'ai racontée. C'était une fois une famille juste avant la guerre, quelques mois avant la guerre, et avant la choix, ils ont rassemblé de l'argent pour acheter un billet pour un de leurs enfants. Et ils ont envoyé leur fille aînée, qui s'appelait Anya, en Amérique. Alors elle a été accueillie par sa tante, elle a été élevée et tout. Elle a grandi, à la fin de la guerre, elle entend que toute sa famille a été déportée. Bon, elle a eu de la peine et tout. Et elle s'est promise de appeler tous ses enfants par le nom de ses frères et sœurs. Et elle s'est mariée, mais ils ont tout fait pour essayer d'avoir des enfants. Les médecins, les infirmiers qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors un jour, il lui est venu aider à Anya de adopter. Elle a parlé à son mari, il a dit ok et tout. Alors ils appellent un orphelinat et ils disent ok, il y a un bébé de 8 mois. Alors ils vont et tout. Et dès qu'ils arrivent, ils disent il y a la grand-mère de cet enfant-là qui a voulu prendre en charge sa petite fille. La mère elle a abandonné, mais la grand-mère elle voulait la garder. Alors la directrice de l'orphelinat elle a dit si vous voulez, il y a une petite fille de 8 ans et vous pouvez la prendre. Alors elle a vraiment besoin d'être accueillie dans une famille. Alors la Anya elle a dit non parce qu'elle préférait avoir un petit bébé qu'elle berçait et tout. Elle a dit mais la directrice elle a insisté et Anya elle a dit non. Elle a dit peut-être une autre fois. Alors pendant un an ils ont fait téléphoner à tous les orphelinats des États-Unis et tout, juifs, pour essayer de trouver un bébé. Alors ils n'ont pas trouvé, il n'y avait aucun bébé. Au bout d'un an, elle rappelle l'orphelinat qu'elle avait appelé en premier. Elle dit peut-être en fait que je prends cette petite fille de 8 ans. Bon, maintenant elle avait 9 ans. Alors elle dit ok. Et la directrice a dit juste qu'il y a une complication. On a retrouvé son frère dans un orphelinat en Europe. Et depuis qu'ils se sont vus, ils ne veulent plus se séparer. Donc c'est soit les deux, soit rien. Alors elle a parlé à son mari a dit c'est une excellente idée. Ils ont dit ok, ils vont et tout. Ils les ramènent à la maison. Et la petite fille, elle rentre dans la maison, elle voit un cadre avec une photo d'une vieille femme. Elle dit « Pourquoi vous avez la photo de ma grand-mère chez vous ?» Alors la Anya dit « Mais c'est pas la photo de ta grand-mère ?» Alors elle dit « Si, je sais ce que je dis, c'est la photo de ma grand-mère. » Alors elle dit « J'ai la même photo dans ma valise. » Alors elle ouvre sa valise, elle sort la photo et elle lui montre. Et c'était la photo identique. Et elle ressort une autre photo, c'est la photo de sa mère. Et Anya était choquée et elle voit que c'était sa mère et cette petite fille c'était sa sœur. Et voilà. Vas-y. J'entends rien. Je m'appelle Ethan, je suis en classe de 4e. Quand Moshe il est monté pour chercher la Torah. Les anges, ils ont dit non, on veut pas, on n'a pas envie, vous ne méritez pas, vous faites des péchés. Alors quand les anges ils ont dit que ils ont dit non, vous ne méritez pas, vous faites des péchés. Moshe, et alors Hachem il leur a dit réponds-leur. Alors il a répondu, il a dit est-ce que vous avez des parents pour respecter vos parents, est-ce que vous avez été en esclavage pour partir respecter est-ce que vous avez été esclavage pour que Hachem vous sauve? Alors on répond par une histoire. Un jour il y avait un
Un jour, il y avait un homme, il est parti. Un jour, il y avait un homme, il est parti pour... c'était un rave, il était parti pour sa communauté. Alors, il commençait à avoir beaucoup de gens. Et à sa vieillesse, il a voulu arrêter. Ils ont accepté. Ils lui ont dit, alors quand je peux partir? Ils lui ont dit, je peux pas, vous pouvez partir au rechaudage prochain. Alors tout le monde a accepté. Il a prévu son voyage par un chauffeur. Alors il y avait les... Et le chauffeur, il est venu au rechaudage comme ils avaient prévu. Alors il y avait un groupe de jeunes, ils ne laissaient pas partir. Ils disaient non, on veut garder notre rave, on veut garder notre rave. Alors après, comme il a eu peur, il est parti le chauffeur. Deuxième jour, ils ont fait pareil. Alors après, il s'est plaint. Il a dit, on avait prévu que moi je partais sur Rochefoudèche et vous ne m'avez pas laissé. Alors les responsables de cette chose, ils ont dit nous, on n'a pas envie que le petit village, quand vous allez partir, il va croire que nous, on n'a pas envie, qu'on n'a plus envie de vous. Donc c'est pour ça qu'on a fait à deux reprises cette chose-là. Comme ça, au moins, le petit village, ils ne vont pas croire que nous, comme vous êtes vieux, on n'a plus envie que vous venez et que vous soyez rave de la Keila. Alors, ils l'ont laissé partir à la fin. C'est la même chose pour les anges. Quand les anges, ils ont dit, c'est pas que nous, on va se débarrasser de la Torah. Nous, c'est juste, on vous la laisse parce qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé de peuple. Parce que quand ils sont allés voir Edom, et quand Hachem est allé voir Edom, et les gars, ils ont dit, non, nous, on peut pas voler, nous, on peut pas ne pas frapper, tuer. Alors c'est pour ça que les anges, ils ont fait ça. D'accord. Hey les garçons, allez Baruch. Je suis en cinquième. Alors il est écrit dans le Perek Yutet Pesuk Yudayin, Baetiatzevu Betarchi Tahar, ils sont tenus au pied de la montagne. Alors Rashi explique que Hachem a placé une montagne au-dessus des Bnisraël et il leur a dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux, mais sinon je vous serai enterré sous cette montagne. Alors Tosfot pose une question dans la Gemara Shabbat. Pour les Bnei Israël, on a déjà dit la Sevinishma. Alors pourquoi Hachem leur a posé la montagne au-dessus d'eux? Alors première réponse, car Hachem avait peur que lorsqu'ils entendent la voix d'Hachem et qu'ils voient le feu, leur Neshama sorte et qu'ils regrettent d'avoir reçu la Torah. Deuxième réponse, quand ils ont dit la Sevinishma, c'est qu'ils ont reçu que la Torah écrite, mais la Torah orale, ils n'ont pas reçu. C'était trop compliqué. Troisième réponse, comme a dit la Sevinishma, ils ont accepté que les mitzvot qui étaient avant Matan Torah. Mais les mitzvot qui étaient après Matan Torah, ils n'ont pas reçu. Comme par exemple Ever Minachai. Alors là, on pose une deuxième question. Pourquoi Hachem il a forcé que les juifs à recevoir la Torah et pas les goy? Alors là, je vais raconter un petit exemple. Une fois, il y avait deux mères qui sont parties chez un docteur. Et ils ont discuté dans la salle d'attente, ils ont vu que leur enfant il avait le même problème. Les deux, ils voulaient pas manger. Alors la première, elle rentre chez le docteur et elle laisse un peu la porte ouverte. Et la deuxième, qui est dans la salle d'attente, elle entend tout ce que lui dit le docteur. Il lui dit, il faut pas forcer l'enfant à manger. Tant qu'il veut pas manger, il mange pas. Et donc elle a dit, bon, si ça arrive que je vais chez le docteur, je sais déjà quoi faire. Donc elle a dit, si je suis là, j'ai qu'à aller quand même pour voir. Et donc Eva, elle lui dit, mon fils, il ne peut pas manger. Et le docteur, il lui dit, il faut que tu le forces, tu lui donnes déjà des trucs doux, la mangue et tout. Et après, il va recevoir le goût et il va manger. Et alors après, la mère, elle est perturbée. Elle me dit, mais c'est bizarre. Elle pose au docteur la question, pourquoi à l'autre, vous l'avez dit de pas manger, à moi, vous dites, il faut le forcer. Alors elle lui répond, parce qu'en fait, l'autre enfant, il avait des problèmes intestinaux. Donc il faut attendre que tout se remette bien et après que tout va bien, et ben, il pourra manger. Quand il veut manger, il mange. Mais vous, il n'y a pas de problème. Donc il faut déjà que tu lui donnes le goût. Parce qu'avant qu'il était bébé, il avait le goût du lait, il faut qu'il l'habitue au goût de la nourriture et tout. Et après, voilà, quand il va s'habituer que c'est bon, il va manger.
Alors, c'est pareil que les gars, c'est quand même le premier bébé qui avait des problèmes en ce moment. Les gars, ils font plein d'avérates et tout, donc elle n'est pas obligée de les forcer à recevoir la Torah. Mais le deuxième bébé, c'est comme les juifs, lui, il n'avait aucun problème. Donc les juifs, il faut déjà leur forcer à recevoir la Torah et les musulmans. Après, ils vont goûter que c'est bon et ils vont faire. Alors, c'est comme dans le pasuk qui a marqué « Tanou, Rou et Tavachem ». Goûter et regarder les bontés d'Hachem. Alors c'est comme quand au début on fait quelque chose, c'est un peu dur à le faire. Mais après quand on fait un effort et on goûte que c'est bien, et bien après on le fait avec mon Dieu. Zach ! Les enfants sautés ? Bonjour, je m'appelle Ishaï. Je suis en 6ème. Dans la barre, j'ai des trous avec une tête parce que je suis bête. On dit, Manachat, ils ont campé les Bnei Israël. Et après, juste après, parce que dans le passage, on dit, et Israël a campé. Alors Rachid pose la question, il dit pourquoi, et la première fois, on parle au pluriel, on dit, ils ont campé. Et après, la deuxième fois, on parle au singulier, et on dit, le peuple d'Israël l'a campé. Comparé à avant avec Israël, ils étaient pas unis. Au moment Matan Torah, il n'y avait pas une dispute, il n'y avait rien, il se passait rien, ils étaient tous unis. Alors que les autres peuples, il y avait toujours des chamailleries où ils étaient en dispute ou quoi. Et donc voilà pourquoi il y avait marqué ça. Hazard. Reprends. Je m'appelle Doran Adash, je suis en seconde. On pose la question, pourquoi c'est Moshe qui a été choisi pour sauver l'Égypte. Donc on répond comme ça. Parce que avant la vente de Yosef, c'est Shimon et Lévi qui ont... C'est eux qui ont eu l'idée de le vendre. Donc c'est à cause de ça qu'il y a eu l'Égypte. Donc Lévi, il a fait le choix toute sa vie pour que quelqu'un de sa tribu sauve l'Égypte. Donc ça a été Moshe. Hazak. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Ethan Haddad, je suis en classe de 4e. Alors, on a vu que Matan Torah, Hachem, il est descendu lui-même. Dis-moi. Et il y a une grande shrina, tellement que les Bnei Israël, à part Moshe, ne pouvaient pas monter. Et après, quand la shrina est partie, et ben, tout le monde pouvait monter sur Mont Sinaï. Et alors que dans le Beit HaMikdash, quand on l'a construit, personne ne pouvait y aller, et même quand il est détruit, on ne peut pas y aller. Alors on pose la question, pourquoi dans le Mont Sinaï, quand Hachem il est descendu lui-même, on peut y aller, alors que dans le Kamidash, on ne peut pas y aller. Alors on raconte une histoire. Rabbi Ria, il voulait apprendre avec ses élèves à Torah. Et alors, au lieu d'acheter ses élèves à Torah, il a chassé un animal, il a pris sa peau, il a fait des parchemins. Il a écrit les Sefer Torah. Après, il a appris un élève Bereshit, Shemot, etc. Lui qui a appris Shemot, il a appris à Bereshit, etc. Jusqu'à qu'ils apprennent tous la Torah. Alors après, on demande à Priya, pourquoi tu n'as pas acheté simplement Sefer Torah? Alors il a dit que parce que la mitzvah elle est plus importante quand on fait beaucoup de fatigue. Alors là, c'est la même chose. Quand il y a le Matan Torah, la Shrina elle est venue tout seule. Il n'y avait pas eu de fatigue. Alors que quand le Beit HaMikdash on l'a construit, il y a eu beaucoup de fatigue et c'est pour ça qu'on ne peut pas y aller aujourd'hui. Zach. Les enfants ont sauté, on écoute s'il vous plaît. Je m'appelle Nathan Zafran et je suis en 3e. On pose la question pourquoi Yitro il a conseillé à Moshe de prendre 70 juges. Pourtant Moshe il avait rien, il suivait la Torah et il n'avait pas de problème. Alors on répond. Parce qu'en fait, à la sortie d'Égypte, les Égyptiens ils ont été noyés et tous les trésors sont restés au bord de la mer. Et les Juifs, ils ont ramassé, tout le monde disait, chacun disait « c'est à moi cet or, c'est à moi cet or, c'est à moi cet or ». Donc c'est pour ça qu'il a conseillé à Moshe de prendre 70 juges. Hey, tu peux n'attaquer pas là, tu vas aller un petit peu dans le charme. Alors, il est connu que le mot Elohim représente la justice et le nom Yud Erevé représente la pitié.
Alors le Baal Tosfat Yom Tov, pose ta question. Pourquoi pour le Zimoun on fait Nevarech Elokeinu et terme de justice, et pour la et pour les Birkot HaTorah on emploie le Baruch Ata Hashem, mais on dit le nom de Dieu. Alors terme de pitié, il répond que le Zimoun est un lié au Birkat Amazon, se prononçant sur la nourriture qui est un dieu à la part de Hachem, car il ne crée l'homme sans lui donner de nourriture. Alors par conséquence, on emploie le terme justice, par contre la Torah, qui soit se mérite par l'homme, si Hachem veut bien lui donner autrement, dit il a pitié de lui, alors on emploie un terme de pitié. Hazard. Lorsque Dieu donna le premier des commandements à Moshé, c'est la bracha Shiloh Asani Goy, question, pourquoi il n'a pas dit Shiloh Asani Yehudi au lieu de dire Shiloh Asani Goy? En fait, la réponse c'est qu'en fait, Moshé a préféré ne pas avoir été créé que d'être Goy. Bravo! Allez, on attend Lévi. Dans le passage qu'on voit, il y a écrit « Tu ne commenteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, son esclave, sa servante, son peuple et son âne. » Alors pourquoi, d'un côté, on voit que le passage qu'il a dit, il a dit en détail tout ce qu'un âne peut commander. Alors pourquoi la Dora, elle a dit tout ce qu'il y a à ton prochain, pourquoi elle a dit en détail, et après elle a dit tout ce qu'il y a à ton prochain. C'est normal que si on ne va pas commenter tout ce qu'il y a à ton prochain, on ne va pas commenter son peuple et son âne. Exact. Alors il y a un allemand qui est bon, et il dit, parce qu'en fait, si quelqu'un qui combatte quelque chose de son ami, par exemple, la très voiture, bah, il doit combattre, enfin, il doit prendre tout ce qu'il y a à lui, tout ses malheurs, ses difficultés et tout. Alors est-ce qu'on est prêt? C'est écrit dans la Torah, Vaishma Yitro Chohen Midian Hoten Moshe. C'est écrit que quand Yitro a entendu ce que Paro voulait faire au Israël et qu'il voulait les tuer, Yitro a tout quitté la Odadra qu'il faisait. Maintenant, la Torah va nous dire que lorsque Yitro a entendu tout ce qu'a fait Hachem pour les Israël, que ce soit les missiles des Diplés, le Kriatam Souf, la carte d'Amalek et la manne qui descendait tous les jours de Minashamaïm, et principalement la sortie d'Égypte de Misraïm qui était d'ordre surnaturel. Après tout cela, Yitro décide de se convertir. Et bien que la guerre d'Amalek n'était pas si grande que ça, qui méritait que Yitro se convertisse, mais quand même, Yitro décida de se convertir après la guerre. Le Midrash explique que Timna, la sœur de Lotan, qui était une princesse très importante, demande à Abraham, Israël et Jacob de se convertir, et ils n'ont pas accepté. C'est la raison pour laquelle explique le Midrash que les Israël furent punis par la guerre d'Amalek. C'est la raison pour laquelle, après la guerre d'Amalek, Yitro avait un doute de se convertir ou pas, car il craignait qu'on lui refuse comme la même manière qu'on a refusé à Timna. C'est pour cela, après la guerre d'Amalek, il s'est dit qu'après que Hachem a fait l'initime au Béni Israël, qui leur a ouvert la mer en deux et qui a fait souffrir le peuple de Misraïm avec tous les Makotes, si c'est ainsi comment Amalek a pu oser venir et combattre les Béni Israël. Il est évident que cela est venu uniquement pour la faute qu'on a refusé Timna de se convertir. C'est pour cela qu'Yitro a choisi uniquement de venir demander sa conversion juste après Amalek, car il est évident qu'à ce moment-là, ils accepteront de le convertir. Hazard. Bonjour, je m'appelle Menachem Atira et je suis en troisième. On a vu dans la parashat Yitro que Shamor et Zachor, ils ont été enseignés en même temps. Alors pourquoi ça? Parce que Shamor, en fait, ça veut dire garder le Shabbat. Ça veut dire garder le Shabbat en achetant de la nourriture et faisant avec Shabbat, tout ça. Et Zachor, c'est se rappeler du Shabbat, parce qu'il faut se rappeler qu'il ne faut pas travailler. Alors le riche, lui, il arrive à faire Shamor parce qu'il a beaucoup d'argent, donc il peut s'acheter des choses à manger. Mais il n'arrive pas trop à faire Zachor parce que lui, pour lui, ne pas travailler, c'est perdre de l'argent. Alors que le pauvre, c'est le contraire, il arrive à faire Zachor parce que lui, il ne travaille pas de toute façon. Mais il n'arrive pas à faire Shamor parce qu'il n'a pas assez d'argent. Alors on a enseigné les deux pour nous dire que l'un dépend de l'autre. Et c'est pour ça que c'est une mitzvah de donner un pauvre à Shabbat. Hazard. Vas-y, présente-toi. Plus fort. Je m'appelle Yassa Fatia, je suis en classe de 5e. Je vais dire un mot sur la parasha d'Yitro. Tout le monde sait que Yitro, il a fait un acte de revenir.
Et personne ne sait si Itro il était sérieux ou pas, s'il était sincère quand il est revenu ou pas. Parce que personne ne peut voir dans le corps de l'homme qu'est-ce qu'il pense vraiment. Alors comment ça se fait que tout le monde lui a fait un grand honneur et tout, alors que personne ne savait s'il était sincère ou pas. Et ben, en fait, c'est. On répond qu'il est un année cabote. Avant, il laissait rentrer dans le camp d'Israël, il laissait rentrer que les bénis Israël qui croyaient en Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Révram, ils étaient en dehors du camp d'Israël, parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Et quand Itro est arrivé, le Révram, il a ouvert ses portes, donc. Un année cabote, ils ont ouvert ses portes, donc ça veut dire qu'il était sincère. Super. Hazard. Plus fort. Je m'appelle Adi Khaimazou, je suis en classe de 3e. On voit que quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, les Égyptiens les ont poursuivis avec des tubos et tout. On voit que, enfin, question, parce que en sachant que pendant les plaies, tous les bétails et tout, ils ont été exterminés, comment ils ont pu poursuivre les Égyptiens en sachant qu'ils n'avaient plus de chevaux, ils n'avaient plus rien. La réponse, c'est parce qu'en fait, les Égyptiens, dès qu'ils ont vu les trois, quatre premiers plaies, ils ont dit « Ah ouais, peut-être ce Dieu, il existe, on ne sait pas ». Ils ont dit, ils ont cru un petit peu, ils ont cru en Hachem. Quand la peste est venue, Hachem, il a dit tous les bétails qui seront dans vos terrains et tout, ils seront tués. À part si vous les mettez dans les maisons, s'ils sont dans les maisons, ils ne seront pas tués. Alors, c'est pour ça que les Égyptiens, ils ont dit, on va faire comme il a dit. On a vu que c'était vrai ce qu'il disait quand il disait, par exemple, la paix de Dame et tout. Donc, on va écouter ce qu'il dit. Ils ont mis dans les maisons. Et après, et Paro, il a dit, sortez tout ce que vous avez. Ils ont tout sorti et c'est à cause de ça qu'ils ont pu avoir les bénis Israël et les tuer. Enfin, pas les tuer, les poursuivre. Les poursuivre. Hazard. Ça, c'est le meilleur pour la famille. Je m'appelle Israël Gadjel. J'entends rien. Je m'appelle Israël Gadjel, je suis en 3e. On dit que Itro, il a eu un mérite et ce mérite, c'est que le nom d'une des parachas aura son nom. Mais pourquoi une paracha si importante? Dans cette paracha, il y a la fin de la Yetziat Mitzrayim, il y a les 10 commandements et il y a le don de la Torah. Pourquoi il a eu un tel mérite à ce point d'avoir cette paracha? On aurait dû couper un petit morceau, on aurait mis son nom dans cette paracha, on aurait fait la suite un an plus kadosh. Alors on répond parce que l'importance qui donne à Shem aux convertis, qui les aiment et ils donnent du kavod pour ceux qui lui font kavod aussi, comme Itro qui a lâché tous ses biens pour se convertir et devenir juif. Hazak! Pas surtout! Bravo! Je me rappelle une classe de 3e, on sait que dans la manche à Itro, il y a 78 psukim, qui est comme la valeur numérique de l'Eren. Oui. Donc c'est pas allusion que quand Moshe et Aaron et Itro ils ont fait la soda, ils ont mangé du pain. Comme ici, donc on dit que Agabé c'est appelé une soda d'Itro, une soda des enfants. Comme nous, donc on fait une soda des enfants. Et on dit que c'est une différence soda d'Itro. Un autre petit ridouche, on sait qu'il marque la passion de l'autre à cette rafessel. Si on prend tarcel et rafessel, les deuxièmes lettres de chaque mot, ça veut dire tarcel, donc c'est rien. L'Echa, donc ça fait Chav, Pesel, ça fait Samer. C'est en tout cas, c'est la colère. Ça veut dire que, comme il marque, ça fait l'illusion, que tout celui qui fait tout celui qui s'énerve, et tout celui qui se met en colère, se met en colère pour lui-même. Comme quelqu'un d'autre, quand il est marqué, tarcel et Chav pour qui, parce qu'il sera pour toi-même. Donc par la colère. Zako, silence. Je m'appelle Etta Kedesh, je suis en classe de seconde. Alors dans la paracha, il y a écrit premier commandement, il y a Hachem et Hachem aussi qui a terminé le Mitzrayim. Et c'est un peu de silence, messieurs. Je suis Hachem, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Il y a un Midrash qui raconte que Moshe, dès qu'il a entendu le premier commandement, il a dit, il a fait la bracha qui est dans les brachot, bah, en fait, Hachem, que chez toi, c'est un Igoy qui m'a pas fait un Goy. Alors on pose la question, quel rapport a un Goy maintenant et tout ça? Alors on répond que lorsque l'homme il aurait préféré ne pas être créé du tout
peut être créé et faire des péchés et tout ça. Donc dès qu'il a dit Shila Sénégal, il remercie en même temps Hachem de l'avoir créé, maintenant c'est trop tard. Donc il est obligé de... Il est créé, donc maintenant il remercie Hachem de ne pas avoir eu l'épreuve d'être un goy et avoir des tonnes de permissions et tout ça, donc il le remercie il est déjà juif et il n'a pas besoin de faire tout un grand trajet pour revenir vers la Torah et tout ça. Hazrak! Hazrak! Allez, va? Allez, on y va, bien. Alors, on va la vie réserver, je suis en 30 secondes. Il est écrit dans la paracha de Yitro, comme quoi les Israël, ils ont répondu à Hachem, comme quoi tout ce que Hachem lui dit, on fera. Et Moshe, après, il est parti voir Hachem et lui répéter ce qu'a dit les Israël. On dit pourquoi Moshe va voir Hachem pour lui dire ce qu'ils ont dit les Israël. Hachem sait très bien ce qu'ils ont dit. On dit de là, on apprend une morale, comme quoi même si quelqu'un t'envoie faire quelque chose et qu'il connaît la réponse, t'es obligé de retourner le voir pour le retenir la réponse. Hazak, on va dire. Chut, allez, s'il te plaît. On va dire Usan. Bonjour, on va dire Usan, je suis en classe de soir. Ouais, dans la paracha, il est écrit Peut-être Moshe est plus agir à ça, et donc il est Moshe ou Israël à moi, qui aussi agir Israël ou Israël. Il a écouté Yitro le Gouen de Midian, le regard de Moshe, tout ce qu'il a fait Hachem à Moshe et Israël, son peuple. Car ils avaient sorti Hachem, l'église d'Israël de l'Égypte. Le Pasuk Het, il vient et il dit il s'appelle Moshe le retenant, être collagé à ça, Hachem le pharaon d'Israël, la date d'Israël, être collagé à Tel Aha, Hachem et Satan Bader, Royal Silem Hachem. Et il dit que Moshe, il a raconté à son beau-père tout ce que Hachem il a fait à Pharaon et en Égypte, au sujet des béné d'Israël, et sur les souffrances qu'il a fait dans leur chemin, et Hachem nous a sauvé. En vrai, une question, à quoi est-ce que Moshe, ils disent là, ils trouvent que c'est passé alors qu'il avait déjà entendu Yitro. On répond parce qu'en fait, dès que Vaishma Yitro, il a entendu Yitro, on dit qu'Yitro n'est pas vraiment satisfait de ce qu'il a entendu. Alors on dit que dès que Moshe il a dit, ça peut manger à Yitro, là il est satisfait. Et comment on sait qu'il est satisfait? Parce qu'on voit dans le passage juste après, voyez Had Yitro. Et Yitro il est décontent. Donc c'est pour ça qu'on voit que Yitro est satisfait. Bonjour, je m'appelle Mika Bittin, je suis en classe de seconde. Le pastouk, j'en appelle avec une prêtre, le pastouk Yud, il est marqué Voyons Eritro, il a dit Eritro, Baouk Hachem, et que tu sois béni Hachem, Hachem et Siretrem, qui nous a sauvé, Mian Mitzrem de la terre de la main d'Egypte, Mouyad Paro de la main de Paro, Hachem et Siretrem, qui a sauvé le peuple, et Tachad et Mitzrem, qui est en dessous de la main d'Egypte. Alors sur ce, la Gemara Sanhedrin, Daf Tzadik Dalet Amoud Alef, elle dit Gna Yuhu le Moshe ou le Shimribo, Shelo Amru Baruch Hashem va Yitro va Amar Baruch Hashem. Traduction, ça veut dire que Gna Yuhu c'est pas beau, c'est mauvais. Le Moshe pour Moshe et ses 60 myriades, qui sont donc 600 000, ils ont pas dit Baruch jusqu'à qu'ils viennent Yitro et qu'ils disent Baruch Hashem. Alors, beaucoup se sont posé la question, mais pourtant les ministres ils ont bien dit la Shiratayam, donc ils ont bien fait un peu ce qu'il a fait Yitro. En vérité, pour répondre à cette question, il faut savoir c'est quoi les trois fonctions de la bracha. Alors la première fonction, simplement, c'est comme nous savons tous, de remercier Hachem pour le bien qu'il nous a fait. Deuxième fonction, c'est d'avouer que le Hachem, c'est la source de bénédiction, et que tout n'est pas naturel et que tout vient d'Hachem. Troisième fonction, c'est de remercier Hachem, c'est la bracha qu'on fait, on va remercier Hachem en même temps pour le bien, mais aussi pour le bien, qu'on croit mauvais, mais en réalité, c'est tout ce qui fait Hachem pour nous, c'est toujours du bien. Et en effet, lorsque Yitro, il avait fait Baruch Hachem et Shayat Siletrem, il avait accompli ces trois choses-là. Comment? Premièrement, il avouait que c'était Hachem, Baruch Hachem, la prise que c'était Hachem, il avouait que c'était Hachem qui fait tout le bien. Deuxièmement, il a dit, il a remercié Hachem pour tout le bien qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Mais en plus, il a aussi remercié Hachem pour le mal qu'on croirait mal aurait été du bien. Pourquoi? Rachid avait dit dans le passage précédent que sa peau, lorsqu'il a entendu ce qui s'est passé à l'Égypte, qu'elle s'est noyée, sa peau, il a eu des frissons à cause du tsar qu'il avait, à cause de la peine qu'il avait pour les Égyptiens. Et il a quand même, malgré tout, remercié Hachem. Ce qui n'était pas le cas des ministres, puisque les ministres, lorsqu'ils faisaient la Shira, ils ont juste remercié Hachem pour la bonté qu'il a fait avec eux, mais ils n'ont pas fait ce qu'il a fait. Alors d'ici, la morale à apprendre, c'est que lorsqu'on remercie Hachem pour tout ce qu'il nous fait, et on remercie Hachem pour le bien et même pour le mal qu'on croit c'est mal, mais Hachem est toujours du bien.
Hazan, bravo.